il y a une flopée de transporteurs clandestins qui exercent impunément dans le secteur et sans que le gouvernement ne réagisse, sans que les agences de copie ne les inquiètent, sans que la DGCC qui s'occupe de la surveillance, de la tarification ne réagisse. Et donc, il serait, à notre avis, plus constructif que les agences qui copinent nous encadrent et règlent le problème des transporteurs clandestins qui, eux, circulent tranquillement, font des prix à la tête du client, à qui mieux mieux. Jusqu'à présent, il n'y a aucune activité. Nous venons tous les matins, nous espérons que le syndicat qui s'occupe, qui relaie la discussion auprès du gouvernement, nous apportera des bonnes nouvelles d'ici quelques jours. Combien ça vous coûte en termes de perte? Est-ce que ça fait une semaine? Eh bien, c'est une perte énorme parce que la société, la structure a des engagements auprès des banques, auprès d'autres entités. Donc voilà. Et pour honorer à ces exigences, il faut bien que la structure tourne.